y a du monde parce qu'il y a des ministres qui se promènent et sûrement des candidats. Donc il y a toute une foule qui se promène avec les caméras, les photos pour les autographes et tout ça. Le stand, hein, on est au Y39, les éditions dédicaces. Donc nous avons une étagère et demie. Richard en plein boulot pour l'installation du centre du stand d'édition dédicace au Salon du Livre à Paris. Et on peut voir Richard en train de ranger le stand et les dernières finitions. C'est nous qui allons profiter effectivement de ce moment convivial, partagé avec l'ensemble des éditeurs et non des moindres, très très grands éditeurs. Là, un petit tour de l'environnement, ce qui se passe autour, qui sont nos voisins, nos compagnonnages. Très beau, puis hein, vraiment très très beau temps, vraiment un temps de printemps formidable. Ouais. Voilà, et ça va vous faire un goût et un voisinage très sympathique à ce qui semble. Voilà, et nous allons passer donc toute la semaine jusqu'au 19 ensemble. Vous voulez dire un mot à notre éditeur? Oui, bah, j'ai quelque chose à dire. Moi. Si vous voulez lui dire un mot, ouais, ah oui, bah, bonjour. Peut-être qu'un jour il viendra nous voir. Bah, il essaie, ouais, ouais, bien sûr. Voilà.
Nous, on est content d'être ici. Venez chaque année. On est content d'être à côté de vous aussi, c'est beau. Chaque année, vous êtes là. Depuis, pas régulièrement. Pas régulièrement, mais enfin, disons, on vient cette année, on n'est pas venu l'année dernière. Voilà, comment vous le sentez, ce salon? Alors là... Alors, je sais que vous êtes inscrit en dernier, hein, assez tardivement. Quoi. Oui, carrément. C'était une session de rattrapage. Oui, une session de rattrapage. Vous l'avez accepté, c'est déjà ça. Formidable. Mais merci. Hein. De rien. Nous sommes sur le stand des éditions dédicaces Y39 au Salon du Livre à Paris. Merci. Du 16 au 19 mars, au Salon du Livre, venez vivre au rythme des auteurs, des dessinateurs, des éditeurs et de tous ceux qui font les livres. Cette année, le Japon sera à l'honneur. Une vingtaine d'auteurs, qu'ils soient romanciers, poètes ou mangaka, vous feront partager leur culture. Moscou sera la ville invitée. Elle vous invite à faire un détour par son café littéraire et à faire connaissance avec une vingtaine de ses auteurs. Au Salon du Livre, on parlera aussi de la place et du rôle social du livre dans la cité. La littérature jeunesse tiendra une large place entre lecture de contes et dictées. La thématique du livre au film abordera les adaptations d'œuvres écrites à l'écran. Pour la première fois, les comics feront leur entrée au salon avec une magnifique exposition. La Bitlit sera aussi au rendez-vous. L'architecture et l'art seront également très visibles, ainsi que le numérique et la BD. Vous l'aurez compris, la fête sera belle. Ne manquez pas le rendez-vous, on vous attend. Le Salon du Livre 2012, du 16 au 19 mars, porte de Versailles à Paris. Toutes les infos sur www.salondulivreparis.com. Bon, je me présente au stand des éditions dédicaces. Il y a trois auteurs qui sont en train de causer gentiment là. Bien sûr, c'est toujours les mêmes. Hein. Bien sûr, alors vous avez Marc là, hein, qui vous salue, Richard. Je m'en rappelle plus ton nom. Qui c'est? Je m'en rappelle plus ton nom. C'est quand même un des bons jeux. Bon bah voilà monsieur Bakary avec son livre. Faut voir le titre. On voit pas la couverture. Voilà. Il est au Salon du Livre à Paris. Avec Marc que tout le monde connaît. La star. On voit pas le nom de ce. La star. Avec Laurent Norel. La dédicace. On le voit de près avec son son livre là, qui fait peur hein, quand même. Hein. Je sais pas qui c'est le gars. Et puis mon petit Richard, mais il commence à avoir les yeux cernés là, parce qu'il a pris ce matin quand même. Hein, et puis c'est l'écart. Salut Richard, ça va bien? Bonjour messieurs. Ah. Bonjour. Allez, vite fait. Bonjour, sur Pierre de la Côte, je publie Mama, une nouvelle de science-fiction aux éditions dédicaces. Les femmes gouvernent le monde dans quelques siècles. Et ça se passe beaucoup mieux, évidemment. D'accord. Et je suis au Salon du Livre, c'est magnifique. Passe suivant. Bonjour, nous vivons depuis le Salon du Livre à Paris. J'invite donc à tous les lecteurs de pouvoir découvrir cet essai, l'hymne à la vie. Et ça parle de quoi? Ça parle de la vie qui se contredit avec la mort. Et c'est à découvrir, j'en dirai pas plus. Voilà. De mes deux bouquins, Étrange rêve d'un monde à l'autre, et puis celui-là, Paul le chemin manquant. Ouais,
Voilà. Il y a une petite carte. Ah bah ouais. Okay. C'est toujours un plaisir de venir au salon. Hein. Un grand salon comme le salon de Paris, alors on en profite. Voilà. Albert, avec quelqu'un qui est très intéressé par un de ses livres. Il commence à y avoir du monde hein, qui passe sur le stand. Non, mais moi j'ai pas d'amis. C'est pour ça que tu vends. Un sourire avant la dédicace quand même.
énormément de monde. Ils viennent tous chez Dédicace. On ne sait plus quoi faire. C'est pas la peine. Oui. Ça fait. De l'océan, les yeux sont des fenêtres qui s'ouvrent sur l'horizon et quelques mâts de cocaïne qui tombent à la barbe des goélands. C'est ainsi que je suis, dérivant sans cesse comme une âme en peine, parfois content et gai, solitaire, comme un gousse rebelle, balotté par la vague, tourmenté par le vent. Je vais là où personne ne m'attend, sans jamais me lasser, les rêves qui m'emportent, loin des ports, loin des femmes. Merci. L'âme. Bravo. Le Richard, l'affaire. Très bon stade. Un petit sourire.
quotidienne, comme ils vont se voir le midi. J'en remettais pour espionner les autres un peu là. Moi, que lui, ça va l'intéresser. Ça me permet d'être accepté. Comme quoi, attends, comme résultat de. Tu pensais que c'était un livre de cuisine? Oui, ça m'a frappé un peu le titre. Je me suis dit, ça y est, c'est... C'est pas un livre de cuisine. Non, c'est pas un livre de cuisine, c'est une saga familiale. Il n'y a pas de recettes. Oui, il y a les recettes à la fin quand même. Ah d'accord. Oui. Mais c'est surtout la saga familiale. C'est ma famille. Pour monter tout le périple, partie d'Italie, l'Algérie, et maintenant le Québec en plus. Alors je parle depuis les années 1880 jusqu'à 1949, avec toutes les mentalités, les caractères de ma famille, ça fait une histoire. D'accord. Alors voilà. Mais ça c'est pour le titre quand même. Oui, c'est pour. C'est ce que je voulais faire sur moi. Sur le stand des éditions dédicaces. Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle? C'est gentil de m'appeler mademoiselle, ça me rajeunit un peu. Alors, je suis ici depuis pour le troisième jour. J'ai déjà 10 livres de vendus, je suis ravie, c'est très bien. Et je suis très contente d'avoir fait ce salon. J'ai pas fait le voyage pour rien, c'est sympathique comme tout. Merci. Sur votre présence au salon du livre de Paris. Oui, je suis présente donc sur ce merveilleux salon de Paris avec ma maison d'édition dédicace. Et c'est un grand honneur pour moi de présenter mon dernier roman, Elsa Z. Vous avez obtenu, je crois savoir, un prix pour ce dernier roman. Tout à fait, j'ai obtenu la médaille d'honneur de la mémoire de la Shoah pour ce livre, Elsa Z, et je suis... elle m'a été remise donc à Perpignan par le consul d'Israël Barney Assid et le célèbre chasseur de nazis Serge Klarfeld, le célèbre avocat. Et ça a été un grand honneur donc, pour moi et pour Elsa dont je raconte l'histoire. C'est une petite juive qui a été cachée en France et que j'ai rencontrée sur un reportage puisque je suis aussi journaliste. Et donc j'ai eu envie d'écrire cette histoire pour la mémoire surtout.
Faites-vous d'autres salons que celui de Paris? Oui, je serai notamment au mois de mai au salon du Villeneuve-sur-Lot, qui est un très grand salon, très intéressant. Et notamment aussi au salon de Mazamet, dans le Tarn, parce que c'est la ville où a été cachée Elsa. Surtout, principalement, cette ville-là. Donc, je tiens beaucoup à y être. Et puis, bon, je vous engage à vous rendre sur mon site pour voir un peu plus de détails sur mon parcours et sur mes vidéos. Et MarieChantalGuillemin.com. Merci Marie-Chantal pour votre disponibilité. Et nous vous souhaitons de bonnes continuations. Merci à vous. Nous avons des auteurs, nous avons des éditeurs, nous avons également aujourd'hui technologie de l'information, de la communication oblige, des éditeurs de palettes et tout autre support informatique. Et aux éditions dédicaces, le stand Y39, nous avons Thierry Rollet, nous avons toujours Thierry Rollet, nous avons Richard Préfer, Sissi Antoine, mais Bakary Boudiaghi, Jean-Patrick Malinger, mais nous avons aussi Direct Frigo. Donc nous avons la visite ce matin de Jean-Louis Riguet, futur auteur des éditions dédicaces au Canada, qui discute avec notre ami Richard Taillefer, un poète très connu aux éditions dédicaces. Il y a un petit peu de monde dans les allées, on est le dernier jour. Et à côté du stand de l'Algérie. Regarde la caméra.